ce schéma-là était fort intéressant pour nous de voir à la fois effectivement des acteurs au niveau direction générale adjointe et à responsable commande publique sur Strasbourg et sur Mulhouse avec des cabinets de conseil sur la meilleure manière d'appréhender ces leviers financiers et organisationnels. On en retire qu'effectivement il y a une offre de conseil commercialisée par le GAP qui peut être potentiellement intéressante sur ces sujets-là. On en retire surtout des retours d'expérience très concrets et sur le temps moyen voire long qu'ont pu être mis en œuvre par ces équipes. Donc voilà, de la matière pour pouvoir potentiellement avancer de notre côté à l'université.